Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment ajouter ton compte scolaire Google à ton appareil mobile Android. Donc, première étape, tu dois accéder à tes paramètres. Une fois dans paramètres, tu vas aller dans la section des comptes et tu vas ajouter un compte. Si j'ai un compte Google, donc ici, tu dois entrer ton adresse courriel de ton compte Google Scolaire. Donc, tu vas inscrire ton adresse courriel qui est ton numéro de fiche à commercial.clr.csdc.qc.ca. Et tu appuies sur « Suivant ». Ici, tu cliques sur « Accepter ». Maintenant, tu es redirigé vers le compte Microsoft. Donc, tu dois entrer ton adresse courriel de ton compte Microsoft de la commission scolaire. Donc, c'est encore ton numéro de fiche à commercial.csdc.qc.ca et tu fais « Suivant ». Tu dois maintenant entrer ton mot de passe, le même que pour les ordinateurs ici. Et tu fais « Connexion ». Maintenant, on va appuyer sur « Accepter » ici pour configurer un profil professionnel. Donc, le profil professionnel, ça te signifie que maintenant, tu vas avoir des applications qui auront un logo spécial, donc un logo avec une icône de valise bleue. Ce qui veut dire que c'est tes applications pour ton compte scolaire. C'est celle-là que tu dois utiliser pour accéder à tes applications et à tes informations de ton compte scolaire. Donc voilà, le compte est maintenant sur ton appareil. Tu pourras le voir à la mention profil professionnel ici. Donc, si tu retournes sur ton écran d'accueil, c'est pourrait que tu aperçoives un dossier avec des applications et qui s'intitule Travail, Workspace ou Work. Donc ce seront les applications pour ton compte scolaire. Si ce n'est pas le cas, il te suffit, comme moi, d'accéder à tes applications et d'aller dans le bas. Moi, je vois une icône je vois le mot professionnel. Donc, j'appuie ici et on voit apparaître mes icônes d'applications. Et on voit que ces applications-là ont toutes la mallette bleue. Donc, c'est mes applications pour mon compte scolaire. Donc, si j'ouvre Google Disk, je vais accéder à mon nuage de mon compte scolaire. Donc voilà, maintenant on va aller chercher l'application Classroom, mais avec la valise pour le compte scolaire. Donc, ici je vais aller dans le Play Store avec la valise. J'inscris Classroom. Je sélectionne l'application. Je fais « Installer ». Maintenant, on appuie sur « Ouvrir ». On appuie sur « Premier pas ». On sélectionne notre compte. On appuie sur « OK ». Si tu vois d'autres comptes, c'est que tu n'es pas dans le classroom scolaire professionnel. Tu devrais avoir seulement ton compte CNR apparaître ici.